Souleymane Kamagaté a la rancune tenace. En effet, l'époux de Bamba Amisara, lors de son récent clash contre Vital, avait vu plusieurs blogueurs faire pleuvoir sur lui des tonnes d'injures, blogueur dont faisait partie Emmanuel Keïta. Celle-ci l'avait traité de pisseur sans personnalité. Celui-ci avait répliqué en la traitant de femme ayant atteint la ménopause. Cette joute verbale s'était estompée après la décision des deux parties de mettre fin à ce conflit. Mais le dernier buzz impliquant Emmanuel Keïta et son ex-copain Chamberlain a permis au boss de Trois Cerveaux Productions de titiller son ennemi intime. Tu as un charisme, tu sais t'habiller, tu es belle, mais tu n'arrives pas à retenir un homme. Tu as quatre enfants de pères différents. À quoi donc te sert ta beauté, ton style et ton charisme? Girl, peut-on vendre autant d'illusions comme ça sur les réseaux sociaux? S'il y a une chose que je ne sais pas faire dans la vie, c'est m'inventer une vie. Vouloir paraître pour ce que tu n'es pas est une souffrance inimaginable qui te rattrapera tôt ou tard. Take care, a-t-il déclaré à l'endroit d'Emmanuel Keïta. Avant de poursuivre ses propos. Elle dit que son ex a gommé, c'est pourquoi il parle beaucoup. Qu'elle lui donne gommé, c'est pourtant ce que je faisais et elle me traitait de pisseur. Pourquoi n'a-t-elle pas pris de la hauteur en l'ignorant carrément? Es-tu aussi une pisseuse parce que tu dénigres ton ex? Ton ex est donc un pisseur parce qu'il te dénigre? Sommes-nous donc tous des pisseurs et pisseuses? Voyez-vous le comportement de vos coachs? Ils vous donnent un conseil qu'ils ne respectent pas. Ils te demandent d'adopter une attitude face à certaines situations. Pourtant, quand ces mêmes situations se présentent à eux, ils font pareil que toi, souvent même pire. Quand tu n'as pas encore vécu une situation, ne juge pas les réactions des autres. Sachez souvent vous mettre à la place des gens avant de juger. C'est bien ce qui manque aux gens sur les réseaux sociaux. On passe à autre chose. Take care, girl. Lâcheuse, chieuse. A-t-il conclu ?